Puis il amena avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes. « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint ensuite vers les trois disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller avec moi même une heure? Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria en ces termes. « Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint encore auprès des disciples et les trouva endormis. Ils ne pouvaient pas garder les yeux ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Moi seul me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte. Afin de te connaître, tout ce que je possède est pour moi sans valeur. Car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut. Cette croix à Golgotha, comment pourrais-je l'expliquer? Grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Elle me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or ni les richesses du monde. C'est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour
seul me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix, et la croix seule, elle me suffit. Rien d'autre je désire, ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Et frappé pour les péchés du peuple de Dieu. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche. Quoi qu'il n'eût point commis de violence. Qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ce Jésus qui a été crucifié est ressuscité.
et il reviendra. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. S'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est ressuscité. À jamais il est glorifié. Alléluia, l'agneau a triomphé.
Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. Change.
ce n'était de lui, je n'existerais pas. Oh, si ce n'était de sa grâce envers moi. Car si ce n'était de lui, je n'existerais pas. Oh, si ce n'était de sa grâce envers moi. Car si ce n'était de lui, je n'existerais pas. Oh, si ce n'était de sa grâce envers moi. Moi qui méritais la croix. Mais aujourd'hui, je marche libre dans la voie qu'il a bien tracée. Alléluia. Pour une destinée assurée, car l'amour a triomphé. La dernière expiration de Jésus sur la croix. Un souffle qui, pour les autorités religieuses, était une victoire. Pour les autorités romaines, un problème résolu, mais pour les disciples, une déception. Celui qui, pour plusieurs, remplissait les critères et les prophéties du Messie de l'Ancien Testament, n'a pas terminé comme il l'aurait souhaité. Au lieu que Jésus dirige une révolte pour restaurer Israël et les libérer de l'emprise romaine, il s'est donné aux Romains pour être crucifié comme un criminel sur une croix. Pourquoi? Mais certainement, si ce Jésus n'était qu'un simple homme, s'il n'était qu'un criminel parmi tant d'autres, si sa crucifixion était sans valeur et sans puissance, pourquoi serions-nous encore aujourd'hui en train de se commémorer cet événement historique joint avec l'Église depuis plus de 2000 ans? Un journaliste anglais décédé en 1990, Malcolm Muggeridge, a dit ceci: « Une chose au moins peut être dite avec certitude au sujet de la crucifixion du Christ. C'était manifestement la mort la plus célèbre de l'histoire. » Aucune autre mort n'a suscité un centième d'intérêt ou n'a été remémorée avec un centième d'intensité et d'inquiétude. L'auteur de l'Évangile de Marc nous parle de la crucifixion de ce Jésus. Ce Jésus qu'on entend parler de gauche et de droite, qu'on a peut-être vu une publication dans nos réseaux sociaux du partage de quelqu'un. Ce Jésus que plusieurs essaient de ridiculiser encore aujourd'hui. Ce Jésus qui a impacté des milliards de personnes dans le monde. Ce Jésus qui a changé le cours de l'histoire, qui peut transformer ton histoire, comme il a transformé la vie de milliards à travers l'histoire de l'humanité, ce Jésus crucifié, c'est le Fils de Dieu. Marc 1:1 le dit, commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Et en introduisant son livre, en mentionnant que Jésus est le Fils de Dieu, il le mentionne dans une position qui était reconnue par les démons et reconnue par Dieu le Père. Marc 9:7 le dit ainsi, « Une nuée survint et les couvrit de son ombre, et la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Mais ce qui pourrait être considéré comme le point culminant de l'Évangile se passe au chapitre 15, Verset 39, lorsqu'un non-juif, un officier romain, après avoir entendu le dernier souffle de Jésus, déclare « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Et ce que j'aimerais vous suggérer aujourd'hui, c'est que la croix a la même puissance aujourd'hui de nous emmener à voir cette révélation et faire la même déclaration.
Alors ensemble, allons lire ce moment historique rempli de controverses et d'émotions qui a confus plusieurs et qui confond les sages de ce monde encore aujourd'hui. Lisons Marc 15, versets 33 à 39 dans la version Louis II. Ça dit ceci. À midi, il y a eu des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloï, Éloï, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, « Voici qu'il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa un roseau, lui donna à boire en disant, « Laissez donc. » Voyons si Élie viendra le descendre de là. Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri, il le vit expirer de cette manière, il dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Père, on te donne toute la gloire et l'honneur ce soir. Jésus, on proclame ensemble que tu es le Fils de Dieu. Et Saint-Esprit, ouvre nos cœurs comme tu as ouvert le cœur du centurion romain. C'est compris dans le nom de Jésus. Amen. Quelle description remplie d'émotion, mais aussi de puissance. L'auteur de cet évangile désirait que ses auditeurs puissent comprendre la puissance et la signification de la crucifixion de Jésus. Alors prenons le temps ensemble de voir le message et le décortiquer ensemble pour qu'on puisse vivre ce moment. Ça dit qu'à midi, il y a eu des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et lorsqu'on lit ça, cette description de l'événement qui fait référence à la présence des ténèbres, aurait invoqué au lecteur des temps bibliques différentes images reliées à l'Ancien Testament. Lorsque les ténèbres se répandaient, c'était reconnu comme un signe de deuil, selon Jérémie 4, versets 27 à 28. Aussi, l'obscurité était reconnue comme un signe de jugement apocalyptique, signalant la venue d'un jugement divin. De là, la compréhension que le jugement divin de Dieu qui était pour nous, est tombé sur Jésus sur la croix. Il a payé le prix de nos péchés. En plus, la présence de l'obscurité était comprise comme étant l'annonce du jour de l'Éternel et que ce jour s'en vient avec un nouveau commencement. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloï, Éloï, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et lorsqu'on regarde les recollections des crucifixions, on entend Jésus, il est indiqué qu'il y a une perte constante de force et même de conscience pour ceux qui sont crucifiés. Alors le fait que Marc précise que parmi les dernières paroles de Jésus, elles sont proclamées d'une voix forte, montre comment Jésus ne meurt pas simplement dans la faiblesse, mais il part avec la possession de toutes ses facultés. Et aussi, ça démontre l'ampleur des émotions qu'il vivait sur la croix. « Éloï, Éloï, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça, c'est la prière de Jésus sur la croix, qui est une prière en référence au psaume 22, verset 2. Qui dit ici, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte? » Un psaume qui commence par exprimer ce sentiment d'abandon, un sentiment que plusieurs d'entre nous, nous avons vécu ou vivons même présentement. Ce sentiment d'être abandonné. Et Jésus, sur la croix, a vécu cet abandon pour que tu puisses avoir l'assurance que tu ne seras pas abandonné. Je veux parler de toi à mes frères et à mes sœurs. Je veux t'acclamer parmi les fidèles assemblés. Acclamez le Seigneur, vous qui reconnaissez son autorité. Honorez-le, vous tous descendants de Jacob. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. Car le malheureux qui est acclamé, il ne l'a pas méprisé, il ne l'a pas rejeté, il ne s'est pas détourné de lui, il a entendu son appel. Seigneur, c'est grâce à toi que je te louerai.
dans la grande assemblée. Devant ceux qui reconnaissent ton autorité, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. J'invite les personnes qui sont humbles qu'elles mangent à leur faim. Que ceux qui cherchent le Seigneur l'acclament et qu'ils aient une longue vie. Que les populations les plus lointaines se souviennent du Seigneur et reviennent à lui. Que les familles de toute la terre se prosternent devant lui. Car le Seigneur est roi, il règne sur les peuples. Que ceux qui sont pleins de vie mangent et se prosternent devant lui. Et devant lui aussi s'agenouillent tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent se maintenir en vie. Leurs descendants leur serviront. On parlera du Seigneur à la nouvelle génération. On racontera à ceux qui vont naître ce que Dieu a fait dans sa justice. Et cette interprétation ne nie pas la véritable angoisse que Jésus éprouve, mais elle comprend son cri comme une expression de confiance que Dieu interviendra et finalement le justifiera. Albert Schweitzer l'exprime ainsi, c'est une expression radicale de dévotion à Dieu qui perdure dans chaque expérience défavorable. Une dévotion qui continue à revendiquer Dieu comme mon Dieu et ne laisse pas aller bien qu'il peut être vécu comme étant celui qui a abandonné le demandeur. Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyez si Élie viendra le descendre de là. » C'est une drôle de réponse si nous ne sommes pas conscients des croyances dans le temps. Dans le livre de Malachie, il mentionne que les Juifs s'attendaient à ce que le prophète Élie apparaisse avant le jour du jugement. Il y a même des traditions rabbiniques qui témoignent qu'Élie agissait comme un ange qui aidait les rabbins dans le besoin. Alors, cela nous emmène à ce que cet événement nous laisse comprendre que la fin arrive et que le jugement de Dieu descendait sur le peuple dans la personne de Jésus. Et lorsqu'on pense à une éponge de vinaigre, on se dit que c'est probablement pour le rendre plus assoiffé. Mais la réalité, c'est que l'œuvre du vinaigre, ce n'est pas le vinaigre qu'on utilise pour nettoyer ou mettre sur nos frites. Ici, le terme pour vinaigre fait référence à une boisson qui était composée d'eau, d'œufs et de vinaigre, qui était considérée comme le Gatorade de notre temps pour les soldats et les travailleurs. Alors, celui qui offrait une boisson en réponse à ce que Jésus disait ne semblait pas faire un acte de cruauté. Mais j'aimerais suggérer que cette personne, probablement juive, voulait probablement donner de l'énergie à Jésus pour voir s'il allait avoir assez de force pour attendre l'aide du prophète Élie. Cependant, Jésus ne le but pas. Jésus poussa un grand cri et expira. Ekpneo, en d'autres mots, son dernier souffle, son dernier cri est le moment de sa mort. Marc ne décrit pas la mort de Jésus, pas comme une crucifixion habituelle où la personne meurt tranquillement, mais on peut voir ici que Jésus donne son dernier souffle dans un grand cri de triomphe, bien que plusieurs l'ont vu comme un signe de défaite. Cette dernière expiration était pour certains Juifs qui étaient disciples de Jésus, probablement compris comme dans la tristesse, n'ayant pas compris totalement le plan de Dieu pour leur délivrance. Car toute leur attente de ce qu'ils avaient compris du prophète de la Torah, de l'Ancien Testament, semblait être perdue au dernier souffle de Jésus. Un souffle qui, dans ce moment, semblait marquer la défaite et la perte de tout espoir, comme nous qui, en face de la souffrance, et en face de la persécution, et en face de la misère, en face du désespoir et en face de la mort, nous marchons avec cette lourdeur. On se considère perdu, pris par les injustices de ce monde, pris par la misère, pris par nos péchés. Et lorsqu'on demande cette délivrance, Dieu nous pointe premièrement à la croix. Mais du moment que Jésus donne son dernier souffle sur la croix, deux éléments significatifs se produisent.
le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le temple avait deux voiles, un voile à la porte principale et un voile qui séparait là où se faisaient les sacrifices et la présence de Dieu. Lorsque Jésus donna son dernier souffle, il y avait probablement des prêtres qui offraient les sacrifices de l'après-midi, selon leur coutume. Ce qui veut dire qu'ils auraient été témoins du voile déchiré. Ce qui signifie que la présence de Dieu n'était plus restreinte dans le temple, mais maintenant, un nouvel accès à la présence de Dieu est donné à tous par le sacrifice de Jésus. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaire à part Jésus par son sacrifice à la croix pour être dans la présence de Dieu. Et quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Et lorsque les cieux se sont déchirés au baptême de Jésus, Dieu a déclaré, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Et avec le déchirement du voile du temple, un humain déclare en accord avec Dieu lui-même, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Impressionné par la manière dont Jésus est mort et les signes qui l'accompagnent, le centurion romain confesse de Jésus ce qu'il devrait confesser de l'empereur romain. César n'est pas le Fils de Dieu. Jésus, le Messie crucifié, l'est. La moquerie est désormais terminée. En appelant Jésus le Fils de Dieu, le centurion a changé son allégeance de César, le Fils de Dieu officiel, à Jésus, le véritable Fils de Dieu. Ce que les autorités religieuses ont renié, ce que les disciples de Jésus ont la difficulté à comprendre, un non-juif romain reçoit la révélation en déclarant en accord avec Marc 1:1. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Jésus ne devient pas simplement le Messie pour les Juifs, mais il est déclaré comme le Seigneur et Sauveur de tous. Alexandre McLaren, ministre baptiste écossais décédé en 1910, dit « La croix est au centre de l'histoire du monde. L'incarnation du Christ et la crucifixion de notre Seigneur sont le pivot autour duquel tournent tous les événements des âges. » Et la description de sacrifixion nous impacte de multiples façons, mais voici quelques aspects que j'aimerais que l'on puisse se rappeler cette fin de semaine lorsqu'on se rassemble avec nos frères et sœurs dans la foi et nos familles. Premièrement, un monde souffrant a besoin d'un sauveur qui connaît la souffrance. Ainsi, nous savons qu'il est avec nous au milieu de nos souffrances. Dieu n'est pas indifférent à ce que tu es en train de vivre. Dieu n'est pas indifférent des effets du péché sur ta vie. Il n'est pas indifférent du rejet que tu as vécu. Bien au contraire, il l'a vécu et il est avec toi au milieu de ta souffrance. On n'a pas simplement besoin d'un sauveur qui connaît la souffrance, on a besoin d'un sauveur qui a triomphé sur la souffrance. Et c'est ce que nous avons en Jésus. Il fut plongé dans une souffrance indescriptible, mais il n'en est pas été vaincu. Il l'a traversé et il a triomphé. Deuxièmement, Jésus a vécu la vie que nous ne pouvions pas vivre. Rappelez-vous pourquoi Jésus est venu dans le monde. Le Fils de Dieu est devenu homme pour vivre la vie que vous et moi devrions vivre pour entrer au ciel. Jésus a vécu la vie parfaite que nous ne pouvons vivre. Il n'y avait aucun péché en lui. Matthieu 5, 17 dit, « Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. » Chaque commandement de Dieu a été accompli dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Tout au long de sa vie, Jésus a aimé Dieu le Père de tout son cœur, son âme, son esprit et sa force. Et il a aimé son prochain comme lui-même. C'est la seule personne qui l'ait vraiment fait. La vie parfaite d'obéissance de Jésus était maintenant terminée. Il était sur le point de la donner. Alors il a dit, « C'est fini. »
Deuxièmement, troisièmement, Jésus a vaincu l'ennemi que nous ne pouvions vaincre. Cet ennemi qui s'est introduit au commencement de la Bible, Satan a tenté l'homme et la femme et les a entraînés dans le péché qui leur a fait perdre les joies du paradis de Dieu. Ils ont acquis la connaissance du mal et sont tombés sous le pouvoir du malin. C'est notre histoire depuis. C'est l'explication de ce que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui. Mais Dieu a promis qu'un Rédempteur viendrait, disant à Satan, « La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu lui détruiras le talon. » La promesse de Dieu en Éden est précisément ce qui s'est passé à la croix. Dans la mort de Christ, il brise la puissance du diable. Ayant désarmé les pouvoirs et les autorités, il en fit un spectacle public triomphant d'eux par la croix. Colossiens 2:15, c'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Quand Jésus est mort, il est allé au-delà de la portée de Satan. Satan ne pouvait plus le tenter. Le diable ne pouvait plus l'affliger ni le faire souffrir. Quand Jésus est entré dans la mort, c'était game over pour le diable et game on pour nous. La bataille décisive avec l'ennemi était gagnée. Et dernièrement, quatrièmement, il a accompli l'œuvre de l'expiation. Jésus est venu chercher et sauver les perdus. Il est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et sur la croix, il dit, « Tout est accompli. » Il a porté la culpabilité de nos péchés. Il a enduré le châtiment de notre enfer. La colère divine a été dépensée sur lui. La justice de Dieu a été satisfaite en lui. Le sacrifice parfait a été offert. L'expiation complète a été faite. L'enfer a été vaincu. La condamnation a été supprimée. Maintenant, le Rédempteur dit, c'est accompli. Jonathan Edwards, un prédicateur, dit, « Bien que des millions de sacrifices aient été offerts, pourtant, rien n'a été fait pour acheter la rédemption avant l'incarnation du Christ. » Donc, rien n'a été fait après sa résurrection pour acheter la rédemption des hommes et rien de plus ne sera fait de toute éternité. Et la question d'aujourd'hui pour toi, c'est, vas-tu simplement te moquer de Jésus, pensant que ce n'était qu'un Juif crucifié? Ou vas-tu recevoir la révélation comme le centurion romain qui, en face de la croix, était témoin du dernier souffle de Jésus et a réalisé qu'il était le Fils de Dieu. Tu as le choix aujourd'hui de recevoir l'œuvre de l'expiation de Jésus. Tu as le choix d'accepter que Jésus-Christ a pris ta place sur la croix, de te repentir aujourd'hui et de pouvoir bénéficier de la grâce et la miséricorde de Dieu et qu'ainsi tu puisses être justifié devant lui. Tu n'est pas trop loin. Ta vie n'est pas trop sombre. Il y a toujours de l'espoir si tu donnes ta vie à Jésus. Alors aujourd'hui, j'aimerais donner l'opportunité à tous ceux et celles qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Et ceux qui peut-être aujourd'hui, après s'avoir éloigné de lui pendant des années, voulaient maintenant lui redonner leur vie, puissent faire cette prière avec nous, ou ce qu'aujourd'hui peut marquer un nouveau jour pour toi, que cette fin de semaine de Pâques puisse t'introduire à Jésus, à cette vie qui, sur la croix, il a payé pour toi. Alors que tu sois dans la salle ou que tu sois en ligne, maintenant, aujourd'hui, faisons cette prière qui invite Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Répétons ensemble, Seigneur, Dieu Trinitaire, je te remercie pour ton amour inconditionnel envers moi. J'accepte Jésus dans ma vie.
comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Prends tout ce que je suis. Guéris-moi. J'accepte le salut que tu offres. Ta paix, ton amour, ta miséricorde et ta grâce que tu me donnes par ton sacrifice à la croix et ta résurrection. Merci qu'aujourd'hui est un nouveau jour avec toi et je te consacre ma vie. Aujourd'hui, j'accepte ton souffle nouveau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut féliciter tous ceux et celles qui ont dit oui à Jésus aujourd'hui pour la première fois? Si c'est toi aujourd'hui dans la salle et qu'aujourd'hui le message a parlé en ton cœur et tu t'es dit, tu sais quoi? J'avais pas une relation avec Jésus-Christ, le Messie, le Seigneur, qui pour ma vie s'est crucifié à la croix pour mes péchés, pour être en position de faveur envers Dieu. C'est toi aujourd'hui, tu l'as accepté dans ta vie. Regarde, on veut t'offrir un petit livre, c'est complètement gratuit, il s'appelle « Nouveau départ ». Parce que comme Église, on veut pas simplement que tu aies un bon sentiment, mais qu'on veut voir ta vie transformée par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Alors c'est toi, tu vas voir à la fin complètement de notre service, à ma droite ici, il y a notre équipe avec le chandail orange. Assure-toi de ne pas quitter sans prendre ce livre. C'est complètement gratuit, ça va te permettre de méditer et de réfléchir sur la décision que tu as faite. Si tu es en ligne, va à mcgc.ca, va sur « J'ai dit oui à Jésus », remplis le formulaire, on va t'envoyer la même ressource de façon numérique. Prends ton temps, lis-le, prie là-dessus. Nous sommes honorés qu'aujourd'hui, tu aies fait la décision de suivre Jésus. Est-ce qu'on peut encore les féliciter, tout le monde? Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont dans la salle. Et sachant qu'aujourd'hui, c'est le Vendredi Saint, l'Église, depuis plus de 2000 ans dans ce jour, en commémoration du sacrifice de notre Sauveur, prenait le temps ensemble de partager la Sainte-Sainte, la communion, où ce qu'on se commémore comme le corps de Christ, de son corps qui a été brisé pour nous et du sang qui a été coulé pour nous. Alors, si vous êtes ici, vous ne voulez pas participer, juste ne vous sentez pas la pression de le faire. C'est pour tous ceux qui aujourd'hui considèrent Jésus comme étant leur Sauveur et Seigneur, mais même ceux qui ont pris la décision aujourd'hui, c'est toi qui as dit oui à Jésus, participe à cela. Tout le monde devrait vous avoir donné à l'entrée une coupe, une petite coupe, parce que tu vas pouvoir prendre la communion aujourd'hui pour qu'on puisse faire cette œuvre ensemble. Si tu n'as pas de coupe, prends la peine de lever ta main. Notre équipe est là pour te donner la coupe, pour que toi aussi tu puisses participer à la communion. Alors, lève ta main bien haute. Si on veut, on peut même mettre un peu de lumière, j'imagine, dans la salle pour aider notre équipe à voir tous ceux qui n'auraient pas reçu de coupe. Si tu es en ligne en ce moment, prends la peine de prendre ton pain, ton jus de raisin. Prends ton vin à la maison, ça te tente, là, un vin, pas de problème. Mais peu importe pour qu'ensemble, on puisse prendre ce temps de communion avec notre Seigneur. Et pendant que vous, du moment que vous avez votre coupe, juste qu'on puisse tous se lever ensemble. Pour ce moment, je vous inviterai à vous lever, même en ligne. Et pendant que vous vous préparez pour prendre la Sainte-Cène, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, que je puisse vous lire un passage qui est dans Galates 2. Versets 16 à 21. Cependant, nous savons que l'être humain est rendu juste uniquement grâce à la foi de Jésus-Christ, et non parce qu'il obéit en tout à la loi de Moïse. C'est pourquoi, nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ afin d'être connus juste grâce à la foi du Christ et non pour avoir obéi à la loi. Car personne ne sera reconnu juste par Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. Mais si, alors que nous cherchons à être reconnus juste grâce au Christ, il se trouve que nous sommes pécheurs autant que ceux qui ne sont pas juifs, cela signifie-t-il que le Christ sert la cause du péché? Certainement pas. En effet,
Si je reconstruis le système de la loi que j'ai détruit, je fais de moi un être qui transgresse la loi. Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort. D'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la loi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien. La communion, c'est pour tous ceux et celles qui croient et qui mettent leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ seul pour leur salut. C'est pour cela que durant ce moment, il est important d'examiner notre cœur devant Dieu. Et qu'en ce moment, prenons ce temps pour examiner nos cœurs et lui dire que notre foi est en lui. Et si, pendant qu'on prend le temps de regarder le plus profond de notre être, on réalise qu'on s'est dérouté, prends le temps maintenant, dites-lui que tu désires remettre ta foi en lui maintenant. Prends ce temps avec Dieu. Dis, Seigneur, on met notre foi en toi. Peut-être qu'on a été distrait. Peut-être qu'on a cheminé autrement. Mais aujourd'hui, dans ce moment, pendant que ta présence est avec nous, que Saint-Esprit, tu fais ton œuvre, que notre foi et notre confiance soient remises en toi, dans l'œuvre que tu as fait à la croix. Que ce n'est pas nos performances, ni notre perfection, ni notre parfaite obéissance qui nous permet d'être dans ta présence, mais c'est simplement l'œuvre que tu as fait pour nous. Notre vie t'appartient, Jésus. Merci, Seigneur. Et maintenant, on va lire ensemble 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26, qui nous mentionne comment Jésus a dirigé ses disciples dans la première communion. Ça dit en effet, « Voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » Et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-la en mémoire de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe. Alors maintenant, je vous invite à prendre le pain qui représente son corps, où vous avez vu le petit cercle qui est dans votre coupe. Je vais prendre entre vos mains maintenant, pendant que je prends ma grosse loaf de pain. Et je vous invite à le briser maintenant. Pour représenter son corps qui a été crucifié sur la croix pour nous. Puis Jésus dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, mangeons ensemble. Merci, Jésus.
Je vous invite maintenant à préparer votre coupe. Seigneur, on te remercie pour cette coupe qui représente ton sang qui a été versé pour nous. Et Jésus dit, cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Et toutes les fois que vous en boirez, faites-la en mémoire de moi. Alors maintenant, buvons ensemble. Seigneur, on te remercie pour le sacrifice que tu as fait pour nous. Saint-Esprit, dirige-nous à ce que l'on puisse prendre le temps cette fin de semaine de célébrer l'œuvre du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui nous permet de se rassembler aujourd'hui. Que la puissance de l'œuvre sur la croix puisse s'imprégner en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont reconnaissants pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir? Prenons cette fin de semaine comme chrétiens de partager ensemble autour d'une table et de compter les bienfaits de l'Éternel envers nous. Qu'on arrive devant nos frères et nos sœurs avec un esprit de reconnaissance. Nous permet de dire, merci Seigneur qu'on puisse être là aujourd'hui à cause de ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Alors, c'est soit autour d'une table, même dans un café, peut-être dans un parc. Prenons le temps de prier ensemble, de manger ensemble et de faire cette fin de semaine un moment d'adoration pour notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un bon amen pour ça, tout le monde? Amen. Et après moi, le service n'est pas terminé, il continue. Mais laissez-moi vous laisser au moins avant que je laisse la place à Chris. J'aimerais qu'on finisse avec deux versets. C'est dans Marc 15, versets 40 à 41. Et vous pouvez prendre place, tout le monde, prenez place. Et là, il y a du monde qui sont reconnaissants qu'on s'assit maintenant aujourd'hui. Ça dit ceci. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Et parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le jeune, et de Josès, ainsi que Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée. Et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Ces femmes qui étaient les premières disciples témoins, oui, de la crucifixion, mais ne sont pas seulement témoins de sa mort. Elles seront aussi les premiers témoins d'un événement historique exceptionnel. Et c'est ce qu'on va célébrer ensemble ce dimanche. Alors, on se voit dimanche au service de 9h et de 11h30. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de semaine de Pâques.